À cette période de l'année, au mois de mars, les températures actuellement extérieures sont très favorables. Néanmoins, les matinées sont encore très froides. Ceux d'entre vous qui voudraient réamorcer la pompe à chaleur, il faut dans ce cas que vous laissiez impérativement votre filtration tourner H24 pour que la pompe à chaleur puisse être performante. Et si vous chauffez votre piscine dès maintenant, avec des variations de température extérieure importantes, il est impératif que vous couvriez votre piscine par le biais d'une couverture isotherme, couverture à bulles. L'autre chose, la mise en route de votre pompe de filtration par ces températures va faire qu'elle va être extrêmement sollicitée et donc elle va énormément condenser. Donc sous votre pompe à chaleur, il y aura forcément une flaque d'eau, c'est inévitable. Pas de panique, ce n'est pas votre piscine qui est en train de fuir, c'est le fonctionnement normal de votre pompe à chaleur. Et votre pompe à chaleur peut condenser jusqu'à plusieurs litres par heure. Donc pas d'inquiétude sur ce point-là, couvrez bien votre piscine.